turning back, no selling crack, no fairy tale, no Jill and Jack. Y'all stop lying on the track. Commonwealth is running facts. We flying around the map like angel wings is on our back. Jesus first, baby. He told me I could rap. The G's always stay strapped. Trap boys always try to hit. Je m'appelle KB Sharp. Je suis franco-américaine maintenant. C'est ma 8e année en France et j'ai 32 ans. J'adore toute la France, le saucisson surtout, la tartiflette. J'aime bien la mentalité française, j'aime bien les gens, j'aime bien la langue, j'aime le paysage, je trouve que c'est très joli. Deux baguettes, s'il vous plaît. Nice, c'est une jolie ville. On a la plage juste là. Il fait beau tout le temps. C'est vraiment agréable. Je trouve que les gens sont agréables aussi. Et l'équipe, notre équipe, on est jeune avec deux vieilles. Mais ça fait bien. Ça fait un mix qui, je trouve qui est bien. Et on s'entend vraiment bien ensemble. Et j'espère apporter mon expérience parce que c'est une équipe jeune quand même. Et j'espère de les montrer comment gagner les matchs, de montrer comment être pro et juste de prendre du plaisir à jouer au basket. Ce que je souhaite et ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle transmette justement cette expérience-là, son expertise aussi du basket aux jeunes. La sérénité, parce que Kibi est une joueuse qui est très sereine sur le terrain, qui ne panique jamais, peu importe les difficultés qui sont rencontrées sur la partie en tout cas, et c'est ce que je veux qu'elle dégage, donc ça, elle le fait plutôt bien. Ses points forts, un shoot, elle peut dégainer n'importe où, à n'importe quel moment, et une très belle vision de jeu. Déjà, c'est une grande joueuse, donc forcément beaucoup d'expérience. Et puis la zen attitude quand même, parce que Kébi, franchement, pour l'énerver, il faut y aller. Et c'est bien d'avoir quelqu'un comme elle qui est toujours calme, qui voit toujours le bon côté des choses, positif quoi. En dehors du terrain comme sur le terrain, franchement, c'est toujours du plus d'avoir Kébi dans son équipe. Walking with Moses is the real, he will deliver. Part of me like the Red Sea, seeing what they can't see. Walk through the fire that I met the Messiah. Elle est toujours là pour aider les gens, quel que soit l'heure, quel que soit le jour. Vraiment gentille, gentille. Et puis c'est une Américaine, mais elle adore la France. Elle parle mieux français que moi, donc c'est très bien. Et au début, j'ai appris au lycée et j'avais une bonne base. Et après, quand je suis venue, j'ai joué avec Magali Lacroix. Et c'est elle qui m'a aidé à apprendre. Et depuis, j'ai appris tous les ans. Et je regarde la télé en français, je lis en français. Et j'essaie de tout faire pour apprendre. Bah, je pense qu'elle est parfaite, son adaptation, parce que c'est une fille qui parle français comme moi, on va dire. Donc ça nous aide beaucoup dans l'équipe, parce que bon, elle traduit tout ce qu'on a à dire, nous, aux joueuses étrangères. Et c'est vrai que c'est une qualité supplémentaire que n'ont pas forcément toujours les étrangères. Je suis persuadé qu'elle peut, en parlant français, enlever encore son accent, parce qu'elle en joue encore un petit peu. Pour moi, c'était un grand honneur de jouer avec l'équipe de France. Et elle avait, pour moi, les meilleures joueuses. Elles font partie de les meilleures joueuses du monde. Et pour moi, c'était un honneur d'être avec elle et de m'entraîner avec elle et d'avoir la chance de jouer pour elle. Et aussi de représenter aussi la France. Et vraiment, c'était une bonne expérience pour moi. J'ai trouvé que c'était une petite famille et tout le monde était vraiment, vraiment gentil avec moi. Et j'ai vraiment apprécié ça et j'ai apprécié ce moment. Donc, j'espère faire plus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back.